Le système d'infodivertissement est simple et familier. Son utilisation s'apparente à celle d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. On y trouve toute une gamme de fonctionnalités qui divertissent et qui aident à conduire avec plus de confiance. Appuyez à tout moment sur le bouton « Accueil » du tableau de bord pour accéder à l'écran d'accueil. Vous y verrez les commandes de climatisation, le téléphone et l'audio, toutes affichées comme des applis sur l'écran de téléphone. Et sur certains véhicules avec un plan de service connecté admissible, on peut aussi accéder aux applis intégrées de lecture en continu directement depuis l'écran d'infodivertissement. Vous pouvez balayer vers la gauche et vers la droite pour afficher des applis supplémentaires. Ou réorganiser les icônes en appuyant longuement sur une icône d'appli jusqu'à ce qu'elle clignote, puis la glisser-déposer à un nouvel emplacement. Et les fonctions que vous utilisez le plus souvent sont toutes situées ici, à l'avant-plan de la barre d'appli. Lorsqu'un indicateur apparaît, il suffit d'appuyer sur le symbole de téléphone pour afficher votre notification. Vous pouvez également définir vos préférences pour créer une expérience plus personnalisée. Appuyez sur le symbole « Utilisateur » sur l'écran d'accueil, puis sur « Ajouter un profil utilisateur », puis sur « Créer un profil ». Acceptez toutes les conditions, puis appuyez sur « Continuer ». Entrez maintenant votre nom complet. Choisissez une photo de profil qui vous représente. Appuyez ensuite sur « Suivant ». Vous aurez la possibilité de lier votre profil à un porte-clés. Et enfin, entrez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte. Si vous sautez cette étape, vous pouvez continuer avec un profil d'invité, mais vos paramètres ne seront pas enregistrés pour une prochaine utilisation. Quand vous aurez créé votre profil personnel, celui-ci se rappellera de vos préférences de navigation et de vos itinéraires récents, de vos paramètres de son, de la façon dont vous aimez voir votre écran d'accueil et des paramètres de confort et de commodité de votre véhicule. Votre profil personnel peut même être attaché à un porte-clés pour chaque véhicule GM avec système d'infodivertissement compatible, de sorte que vous pouvez accéder aux mêmes paramètres. Pour ce faire, gardez le porte-clés dans votre véhicule lors de la création de votre profil en vous assurant qu'il s'agit du seul porte-clés dans le véhicule pendant le processus. Lorsque vous êtes connecté à votre profil personnel, la radio, l'affichage, les sons, la vitesse et les préférences audio seront tous affichés, ainsi que certains favoris, comme les points d'intérêt et les adresses. Et vous pouvez même personnaliser votre système d'infodivertissement, y compris les préférences radio, depuis l'extérieur de votre véhicule à l'aide de l'application mobile My Chevrolet. Ainsi, vous pouvez rester parfaitement connecté pratiquement partout où vous allez.